Et salut à tous, c'est Chris Boy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, nous allons réaliser le braquage Kulking Bell en solo, car nous avons fait ça en live, mais c'était en équipe. Donc là, je vais vous montrer comment réaliser en solo, c'est super facile. Donc tout d'abord, il faudra tirer sur le truc du courant, il faut que la porte reste ouverte. Donc comme ça, moi, on pourrait directement passer juste à côté. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est bon, nickel. Donc bien sûr, c'est une expérience, comme ça vous pouvez voir par vous-même comment réussir le braquage du Kulking Bell. Mais en vrai, en solo, c'est assez chaud, donc il faut être très concentré pour pouvoir tuer tout le monde. Donc là, on tue, on laisse rien derrière, parce que des moments, il y a des ennemis qui spawnent derrière notre dos, et ça, c'est pas bon. Là, il faudra retuer encore une fois l'électricité pour que la porte s'ouvre. Donc là, regarde bien si tout est ok. Nous allons par là pour voir si tout... Ah, voilà, vous avez vu? Il y avait une personne. Donc si on le tuait pas, c'était sûr qu'il allait nous rejoindre pour nous tuer derrière notre dos. Donc regardez bien. Voilà, toi tu meurs. Tu meurs. Faites attention. Regardez bien sous la carte aussi pour qu'il n'y a pas de PNJ qui respawn derrière votre dos. Car c'est vraiment hard, hein. Je vais mentir, le braquage est pas très difficile, hein. Mais il faut être juste concentré pour pouvoir tuer les ennemis. Bah, après, bon, vous connaissez quand même, hein. Vous avez déjà fait beaucoup de braquages de GTA Online, hein. Mais je parle pour les nouveaux qui commencent à jouer à GTA Online. Parce que oui, il y a des nouveaux dans GTA Online en 2024, ouais. Ça existe encore. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. La vie, c'est ça. Bon, là, nous allons ouvrir cette porte. Nous allons récupérer ce qu'il a récupéré dans cette porte. Attends, il y a un mec. Voilà, touche panier. Voilà, nickel. Là, nous rentrons à la porte. Là, on va récupérer la cocaïne. Parce qu'il faut voler de la cocaïne pour le braquage Kulking Bell. Donc là, nous sommes dans l'endroit qu'il faut récupérer. Donc on tue la personne qui nous tire dessus. Voilà. Là, on tue eux, hein. Bon, on n'est pas obligé, mais allez, pour un peu plus d'RP, pourquoi pas. Et là, on récupère le maximum possible. Bien sûr, si c'est possible de faire en équipe, je vous conseille de faire en équipe. Mais n'oubliez pas que le chef reçoit 500 000 $ et les associés reçoivent 50 000 $. Donc bon, quand on fasse en solo ou bien en équipe, il faut être chef pour recevoir beaucoup d'argent. Donc franchement, c'est assez long en termes de préparation, mais un peu rapide. Donc on n'est pas obligé de... Lorsque vous faites les préparations de délit de fuite, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les cibles pour pouvoir récupérer le délit de fuite. Genre, lorsque vous récupérez un véhicule et que le véhicule vous plaît, vous le livrez à destination et ensuite vous allez dans SMS et vous validez ce véhicule et ensuite c'est terminé. Donc c'est très simple à réaliser les préparations. Et c'est pareil lorsque vous allez récupérer les matériels. Donc vous avez trois cibles comme pour le yacht, etc. Et lorsque vous récupérez le matériel, vous pouvez valider rapidement. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Donc là maintenant, nous avons fait le dépôt. Donc on quitte le dépôt et on va au deuxième dépôt pour récupérer l'autre objet à récupérer. Donc là on tue tout le monde. Voilà. On tue. Voilà, c'est bon. Là, il n'y a personne. On fait là, on vient ici. Il y a du monde derrière moi. Voilà pourquoi il faut faire attention. Quand on fait pas attention, on meurt direct. Oula. Meurt, voilà, nickel. Donc là, c'est parti. Nous, on va ouvrir cette porte. Voilà. On rentre. Voilà, nickel. Et bien sûr, à l'intérieur, il y a deux personnes à tuer. Donc faites attention. Ah non, il y a même trois personnes. Ah non, il y a eu deux personnes. Ok, bon. Le pied de biche, vous pouvez trouver soit ici ou soit l'autre côté au fond. Donc vous avez deux endroits à récupérer le pied de biche. Donc moi, je récupérais un. Donc je peux ouvrir toutes les caisses de Kulking Bell pour récupérer la cocaïne. Donc hop là, on récupère le premier. Là, normalement, il n'y a rien du tout, mais on l'ouvre quand même. Voilà, il n'y a vraiment rien du tout.
Ensuite, on va aller juste à côté, qui est celui-là. Normalement, il doit avoir quelque chose dedans. Voilà, nickel. Et si je dis pas dérouleur, l'autre aussi, il doit avoir rien du tout. Voilà, parce que tout est ok. On a volé toute la cocaïne. Donc là, on peut sortir. Ensuite, il y a encore du monde à tuer. Donc faites attention, regardez bien. Voilà, ça spawn. Non, c'est bon, ça spawn de l'autre côté. Ok, nickel. Faites attention, vous avancez tout doucement. Oh, double shot. Ah non, il est pas mort. Ah non, je seum. Voilà. Vous tuez, faites attention. Regardez bien ce que vous faites. Tuez bien les ennemis. Pour ceux qui savent pas viser et tirer. Là, vous avez vu, ça respawn derrière. Donc on retourne derrière et on tue. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire très attention. Voilà. Attention. Stop là. Voilà, nickel. Ça respawn derrière une fois encore. Il y a une personne qui est juste derrière. Voilà, il meurt. Nickel. On prend un peu de protection. Alors, bien sûr, avant de lancer le braquage ou l'émission, préparez des encas et des protections pour pas que vous mouriez pour rien. Donc, préparez tout ça. Donc là, ça va respawn à mort. Hein. Ça va vraiment respawn. Donc, on va essayer d'avancer un peu. Voilà. Voilà, on avance. Il y a un mec qui est juste ici. Roulade. Voilà, il meurt. Nickel. Là, on ouvre. On n'a pas la clé. Donc, pour chercher la clé, c'est facile. Vous retournez. Donc, vous retournez au début. Pas vraiment au début. Regardez bien ce que je fais, les potes. Hein. Regardez bien. Vous faites ici. Vous tournez à droite. Et normalement, la clé devrait être dans la zone ici. Donc, il faudra chercher la clé. Elle est où, la clé? Wesh! Faut chercher la clé dans la zone. Est-ce que la clé n'est pas... Ah, et la clé s'est déplacée. Il est où la clé? J'ai cru que la clé c'était dans un seul endroit, mais en fait, non, pas du tout. La clé peut être partout. Il peut être vraiment partout, la clé. Hein. Ok, bon, ben maintenant vous avez une nouvelle information. La clé peut être partout, hein, donc faut chercher vraiment partout. Wesh! Ouais, faudra faire très attention, les gars, j'ai failli mourir. Hein. Mais où, il est où la clé? Mais attends. Aller au bureau. Oui, mais j'ai pas la clé. C'est ça le problème, c'est ça le défaut, c'est qu'il faut chercher la clé, mais il n'y a pas d'indice. Donc c'est à toi de te débrouiller. Vous avez vu? Il a spawn juste devant moi. C'est pour ça qu'il faudra faire très attention. Donc il est où la clé? Ah, la clé, t'es où la clé? Pourquoi je ne trouve pas la clé? Ah, c'est bon, j'ai trouvé la clé. La clé était juste ici. Donc, faites très attention, tournez partout et regardez bien la carte des moments. Parce que les ennemis apparaissent beaucoup, comme vous pouvez le voir maintenant. Donc, faites très attention. Et bien sûr, cherchez bien pour trouver la clé, hein, puisque là, j'étais pas au courant que la clé peut être partout, mais là, maintenant, je suis au courant que oui, il peut être partout. Ok, on ouvre, voilà, là, faudra chercher le code, donc on a l'ordi qui est juste ici, voilà. On se connecte avec l'ordinateur, tout ça, maintenant, il faut avoir le code. Pour trouver la clé, donc vous avez des trucs de Caio Perico, mais je vais montrer exactement où se trouve. Hein. C'est très simple. Donc, alors ce sont des ordinateurs qu'il faut chercher. Ok, les potes, regardez, je suis, mais vous pouvez suivre avec le décodeur qui veut dire ça. Vous pouvez chercher comme ça, mais moi, comme je sais déjà où se trouve, donc ce sont les ordinateurs à chercher. Donc, il veut dire, voilà, le premier ordinateur il est là. Voilà, le premier est là, donc faut chercher le deuxième. Le deuxième, il est où le deuxième? Mais frère, il y a trop, c'est trop. Là. On regarde bien. Ok, faut retourner là-bas. C'est parti. L'ordinateur doit être là-bas, j'ai dû rater un ordinateur. Voilà, j'ai trouvé, je sais même pas comment. Ah oui, c'est là. Il est là, l'ordi, voilà.
Ensuite, comme le footy, utilisez le découdeur, le truc de Caio Perico de temps en temps. Je vais vous regarder où est-ce que vous allez comme ça. Et voilà. Voici le troisième. Donc, le premier, il est là. Attends, je vais bien vous expliquer. Hein. Alors, lorsque vous êtes près du bureau, qui veut dire ici, là, le bureau qui est là, vous venez ici. Le premier ordinateur, il est juste ici, juste à droite. Le deuxième, il est juste un peu plus haut, qui veut dire juste ici. Et le troisième, il est un peu plus loin, il est juste là. Voilà. Donc, lorsque vous avez fait tout cela, vous allez encore au bureau. Et là, ce sera dans... ce sera directement ici, les potes, pour avoir le code. Juste ici. Il y a le code. 42 88 92. Donc, c'est comme ça, vous avez le code des potes. Alors, c'est 42 88... Ok. Alors, c'est 42... 42... Voilà. 88... Et là, c'est 92. Voilà. Là, c'est nickel. Donc, là, tout cela, c'est bon. Maintenant, faut se concentrer pour pouvoir sortir. Boum, tu exploses ça. Attention, on fait ça. Voilà, on se cache derrière. On fait très attention. On fait très attention parce que les policiers sont vraiment extrêmement... extrêmement méchant. Là, on va essayer de foncer un peu. On fait attention parce qu'il y a du monde. Voilà. Allez, on fonce, on fonce, on fonce. On fonce, on fonce. Let's go, let's go. Il y a un mec à tuer. Voilà, c'est bon, nickel. Un autre mec. Voilà, il va se lever. Voilà, nickel. Et là, on va ici. On va récupérer le véhicule de délit de fuite. Qui veut dire, moi, c'était la jugular. Donc, je l'ai pris tout de suite. Donc, c'était un véhicule que j'ai récupéré et que j'ai eu du premier coup. Là, on accélère et on part directement en ville. Qui veut dire tout en bas de la map. Et ensuite, essayer de semer les flics. Et bien sûr, faites attention. Faites pavé tactile et préparez les protections, les encas, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis en chemin. Donc faites très attention les potes. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'ennemis. Donc on prépare tout cela. Ça sert à rien de tuer puisque dans tous les cas, ils vont spawn tous les 5 secondes. Donc autant essayer d'esquiver le maximum possible. Donc là, comme on est arrivé presque en ville... Vous voyez que là, les étoiles ont baissé. Et là, lorsqu'on va arriver vraiment en ville, ça va encore baisser. Donc, il suffit juste d'aller en ville et ensuite semer les flics. Et après, c'est terminé. Il faut juste de livrer le véhicule à destination. Et après, la mission est totalement terminée. Donc là, je peux monter en haut directement. Oula, voilà, nickel. Et là, on va semer les flics ici. Voilà, donc on va juste semer les flics ici tranquillement et comme ça on pourra livrer directement à destination. Donc voilà, maintenant les potes, on arrive à destination, qui veut dire l'entrepôt de Vincent. Voilà, on a livré les deux butins, voilà. Voilà, mission accomplie. Nous avons réussi le braquage en solo. En vrai, c'est super, super simple. Mais il suffit juste de faire très attention avec des ennemis qui respawnent tous les 5 secondes. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a reçu 500 000 $. Donc, en solo, on reçoit le même argent. Donc, il suffit juste d'être le chef d'équipe pour pouvoir recevoir autant d'argent. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, de vous abonner et d'activer la cloche. C'était Chris Boy Gaming. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Et ciao ciao.